Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous retrouver sur la page du live de la récréation. Aujourd'hui encore, on va jouer avec vous autres et on joue avec des membres de l'équipe de la récréation qui sont tout en dessous de moi. Donc évidemment, vous connaissez Nina. Nina, ça va bien aujourd'hui? Ça va, ça va. Belle journée de bruyane. Non, bruyane, hein? De petite pluie. C'est idéal. Mes journées préférées de printemps. Parfait, ça. On a aussi Axel qui est dans l'équipe depuis quand même un bon petit bout de temps. Ça fait combien de temps que t'es avec nous? Ça fait 3 ans, je pense. Un bon 3 ans. 3 ans déjà. Ça va faire 4 en décembre. Wow. Ça va bien? Ça se passe bien ton confinement? Oui, je m'ennuie vraiment beaucoup du café de la récré. Mais outre ça, ça va bien. Super. Et on a... Moi, je m'ennuie pas, j'ai fait un cauchemar que que je faisais de la vaisselle après un rush, là, c'était pas drôle. Et on a Laura, qui est aussi animatrice de jeux, tout comme moi, à la récréation. Donc, salut Laura, ça va bien? Oui, toi? Ouais, ça te manque pas trop d'expliquer des jeux? Est-ce que tu peux en expliquer un peu à ta famille et tes amis avec toi? Ou t'as une rage de... Parce que si elles ont une rage de vaisselle, t'as peut-être une rage d'explication de jeu. Là, ça va, ça va. Ben, on continue à jouer de notre bord aussi. Là. Cool. Donc, aujourd'hui, on va jouer à Qui part gagne, un jeu du Scorpion masqué distribué par Hilo 307, donc un jeu québécois. Le concept du jeu est très, très... Allô, Michaela! Excusez, c'est bien, il fallait que je t'interrompe pour dire allô, Michaela. Michaela, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des anciennes employées, une ancienne de l'équipe de la récréation. Donc, aujourd'hui, on va jouer à Qui part gagne. Donc, Qui part gagne, c'est très, très, très simple. Vous avez à gauche ou à droite de moi, j'ai un peu perdu le sens des directions avec les effets miroirs des caméras. Donc, de ce côté-là, voilà. Vous avez au-dessus d'Axel, voilà. C'est beaucoup plus simple, ça. Vous avez des images. À chaque ronde, on va avoir 9 images. Absolument, c'est 11, mais on a choisi d'en mettre 9 pour aujourd'hui. Donc, comment ça va fonctionner? On va avoir un petit minuteur et après la fin du minuteur de 1 minute et demie, ça, c'est Nina qui va gérer ça. On va avoir former des paires et on va comparer les paires qu'on a réussi à faire. Les paires, c'est vraiment ce que vous voulez. Donc, ça peut être la couleur, ça peut être quelle image, ce que ça représente, ça peut être la forme. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui fit le mieux ensemble. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer nos paires entre nous. Donc, comme à l'habitude, vous avez différentes options. Soit vous jouez entre vous à la maison, si vous êtes plusieurs en confinement, vous pouvez jouer les uns contre les autres. Si par contre, comme moi, vous êtes tout seul à la maison, on vous invite à jouer avec nous. Donc, comment ça va fonctionner plus concrètement? Lorsque le minuteur de 1 minute 30 va être terminé, on va comparer nos paires. Donc, un premier joueur va dire combien de paires il a eu, puis chaque joueur va dire si la paire est la même. Donc, si par exemple, je dis que la 4 et la 6, pour moi, ça fait super bien ensemble, tout le monde qui a la 4 et la 6 va lever la main. Si je suis tout seul, 0 points, mais s'il y a au moins une personne, je vais faire des points. Combien de points on fait? C'est simple, c'est le nombre de personnes au total. Donc, si on est 2 à avoir fait la paire 4 et 6, ben, on fait 2 points chacun. Donc là, j'imagine que vous êtes en train de vous dire, ouais, ben, comment je peux faire des paires si on a un nombre impair de cartes? Ben, c'est très simple. La carte restante, c'est ce qu'on appelle la pomme pourrie. C'est pas moi, c'est les règles du jeu, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, c'est la carte que vous n'avez pas réussi à matcher avec aucune autre des cartes. Cette carte-là, même chose, on va comparer combien de joueurs l'ont. On va compter le nombre de joueurs, on va faire les points. Donc, si on est 2, on fait 2 points. Mais il y a un petit bonus, on multiplie par 2. Donc, si on est 2 joueurs, on fait 4 points. Si on était 3 joueurs, on ferait 6 points. Si on était les 4, on fait 8 points, etc. Maintenant, comme on peut difficilement comparer avec vos paires à vous à la maison, ce qu'on vous propose de faire, c'est vous comparez avec ce que nous, on a fait et vous comptez vos points de votre côté. Nous, on va comparer entre nous. Donc, ça va être pas plus compliqué que ça. Est-ce que ça vous soulève des questions, mesdemoiselles? Quelque chose que j'aurais oublié de mentionner? Ça me paraît clair. La seule affaire, c'est qu'on va tous se regrouper pour battre Sylvain. C'est la règle la plus importante que Sylvain t'a remis. Ah ben oui, c'est ça.
Surtout la dernière fois, j'ai fait un score pitoyable. Écoute, hein, on n'a pas tout ce talent-là. Sylvain, t'expliques bien les jeux, il y en a qui jouent bien. Non, c'est ça. Gna, gna, gna. Ben, dans ce cas-là, si Laura gagne, ça veut dire que... Bon, Laura, il faudrait que tu perdes, OK? OK, je vais rater. Bon. Sur ce, on est à peu près 25 à regarder, donc je pense qu'on va, on va commencer tout ça. Donc là, on a un petit peu de triche parce que la première image, elle est déjà affichée, donc j'imagine qu'il y en a peut-être qui ont déjà commencé à faire leur paire. Mais on va quand même se donner une petite minute et demie pour commencer à matcher tout ça. Donc, quand... Vous êtes prêts, les amis? Je mets le timer? Ouais. Alors, dans 1, 2, 3, faites vos matchs! Donc, une minute et demie. Oh non, mon crayon marche pas. Non. D'ailleurs, pour le bien de tout le monde, Nina, on va arrêter le minuteur, on a complètement oublié. On va juste dire rapidement c'est quoi qui sont contenus dans ben, les... En fait, j'ai une question pour toi, Sylvain, aussi. Oui. Ben, vas-y avec ta question. En fait, dans le drive, je trouve pas l'image. Oh non! Pour vrai, le beau lien que j'ai. Pourtant, à la fin, ah oui, c'est la dernière. My bad. C'est QPJ1. Ok, c'est oui, bon. Ok, ce sont... Excusez-nous à la maison. Désolé. Ils sont toutes numérotées dans l'ordre. C'est bon. Ok, d'ailleurs, il y a une petite question qui a été posée par quelqu'un dans le chat. Est-ce qu'on peut utiliser plus d'une fois la même carte? Non, il faut que ce soit tout le temps des paires avec des cartes différentes. Donc au final, vous allez vous retrouver avec 4 paires et une carte seule, tout simplement. D'ailleurs, on va expliquer rapidement, présenter rapidement les cartes. Donc, quelqu'un veut le faire? Je n'arrête pas de parler plus tantôt tout seul. Donc, s'il y en a une qui veut dire rapidement... Oui, ben écoute, je peux y aller. Je vais essayer d'y aller le plus straight possible pour pas que vous voyez c'est quoi le cheminement qu'il y a dans ma tête. Donc, on a en 1 une calculatrice avec des sous et un crayon. En 2, on a des cabanes d'oiseaux. En 3, c'est un maringouin qui semble en train de faire sa job. En 4, on a un robot. En 5, on a une tasse. 6, c'est un agenda daté du 16 janvier, un mercredi. Parce qu'on est mercredi! Non, c'est pas vrai, on est dimanche. Le 7, on a un fiacre. On a un biscuit chinois en 8 et des allumettes en 9. Cool. Donc, on y va pour... Allô, Margot, allô, Guylaine, allô, Amélie, excusez-moi, j'en profite pour saluer. Est-ce qu'on est prêts, les amis, pour repartir ce timer? Vas-y quand tu veux. Alors, c'est parti! Bon, c'était le cafouillage du début, mais là, on est parti pour de bon. D'ailleurs, ça va bien se passer. Ton minuteur... On a Léna qui est dans le chat, qui est toujours là pour répondre aux questions, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, elle va se faire un plaisir de vous accompagner. Ouais, Léna, elle est trop cool. Zup, c'est pas facile, hein? Non. C'est Léna qui a préparé... pas, mais... C'est Léna qui a préparé les paires, donc si... Léna, t'as pas travaillé avec... Ok, il me reste... Il reste 20 secondes, les amis. C'est bon. C'est fini! Ok. Oh là là, j'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Parfait. Donc, je vais inviter Axel à présenter ses paires. Oui, donc, j'ai... Avec une explication logique, hein, Axel? Oh oui, logique. Je suis pas sûre que ça va être si logique que ça, mais je vais me lancer. Donc, j'ai fait l'association 1 et 4. Parce que c'est deux trucs qui me semblent électroniques, donc c'est la première association que j'ai faite. Qui l'a eu? Oh,
c'est le monde. Si à la maison, vous avez fait le même match que Axel, par exemple, vous aurez des points à ce moment-là. Super, j'ai fait ensuite 2 et 9, donc les petites maisons et les allumettes, simplement parce qu'il y en avait plusieurs, voilà. Du bois, ouais, voilà. Je suis tout à fait d'accord, c'est super logique. Exactement, moi je suis plus allée avec la pantoufle, mais oui. Ensuite, j'ai fait 5 et 8 parce que c'est deux, c'est une tasse, c'est de la nourriture, donc des trucs qui vont en lien avec l'alimentation. Moi aussi. Mais là, Laura, t'es toute seule, voyons donc, qu'est-ce que tu passes? Puis finalement, j'ai fait l'association 6 et 7 parce qu'un agenda qui utilise ça, c'est dépassé, tout comme la charrette qui est vraiment hors de son temps. Donc, c'est bon voilà. Ça! Mais c'est ça. Et ma pomme pourrie était le 3 parce que le moustique. Moi aussi. Parce qu'on a eu ça. Ben aussi, nice! Yes. Mmh. Cool! Ok, ben est-ce de mon côté, les deux matchs qui me manquent, ouais. J'ai le 1 et le 6, donc la calculatrice et l'agenda, hein, évidemment, parce que c'est quelque chose qui fit. Calcul, agenda, personne organisée, tout ce que tu veux, c'est des trucs que tu trouves dans un bureau, bref, tout ça. Et j'ai associé 3 et 4 parce que c'était des individus seuls et au monde, un pauvre robot tout seul avec un pauvre maringouin tout seul, je savais pas trop comment, comment les associer. Et ma pomme pourrie, c'est le fiacre, parce que, hein, voilà. Okay. Et Laura, qu'est-ce que t'as de ton côté, hein? Écoute, il me reste plein de matchs, ouais, vraiment. Explique-nous ça. Je suis pas dans le bain, mais expliquez-vous. Je les ai mis ensemble. Je trouvais que le style graphique du petit robot puis de la tasse se ressemblait. Mm-hmm. Ok. Ouais. 2 et 3, ok, c'est dans ma tête, là, j'étais genre des oiseaux, ça vole, une mouche, ça vole. On s'est mis ensemble. Mmh! Mmh. Non, mmh. Puis 7 et 8, ben, les biscuits chinois, c'est comme l'avenir. Je sais pas, là, la mort, je me disais que ça allait ensemble. Okay. Oh my god, t'es allé dire! Trop loin, trop loin, je vais rester plus. Si c'est pas comme pourri, c'est le nef, les allumettes. Ah oh, ouais! Mmh. Ouais. Moi, ma dernière paire qui me restait, qui n'a pas été nommée par personne, c'était 4 et 7. C'est surtout parce qu'il me restait les cartes 3, 4 et 7 et je me suis dit qu'est-ce que je peux matcher de plus ensemble. Donc je me suis dit que le robot puis le fiacre, c'est des genres de machines. C'est très, très... Ok, écoutez, s'il y a des gens qui ont fait ce match-là, dans les gens qui regardent, je serais bien curieuse de voir... Si vous avez la même réflexion tordue que Sylvain. Ben, c'est pas grave, le plus important, c'est que j'ai mon moustique en pomme pourrie. À la limite, pour ton association, les deux sont noirs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être au niveau de ta couleur. Merci Axel de me sauver. Hein. ça me fait plaisir, Sylvain. Alright, est-ce qu'on passe à la prochaine manche? Les gens, n'hésitez pas à nous dire combien vous avez fait de points ces temps-ci. 4 et 7, ça avance. Oui, ça avance. Merci, Audrey. Effectivement. C'est vrai. Ah, Sylvie a dit robot et fioc pour passé et avenir. Ah, vous voyez? Ok, c'est bon, vous avez réussi. Mais vous avez quand même des meilleures explications que Sylvain, je veux juste dire ça. Ok. On passe à la prochaine. Wow. Est-ce que tout le monde est prêt ici? Oui! Cool. On passe à notre prochaine. Donc, ça va être la deuxième. Oui, voilà. Excuse-moi, Sylvain. C'est bon, j'ai l'affiche. Pour... J'y vais. Pour la prochaine image, on a donc une bouteille de vin et un verre de vin. En 1, en 2, on a du maïs. En 3, on a le stéthoscope. En 4, un escargot. En 5, taille-crayon ou un aiguisoir. En 6, une guitare. En 7, une maison en pain d'épices. En 8, des clous. Et en 9, un ouvre-bouteille qui doit servir pas mal à tout le monde à la maison en ce moment. Est-ce qu'on est prêts, les amis? Oui! Alors, on y va. C'est parti! Bon, il y en a un que si vous ne l'avez pas, je comprends pas.
my god, je me sens jugée. Oh fuck! J'avais fait un autre cheminement de pensée, mais maintenant que tu le dis, on fait du méta un petit peu. Wow. C'est pas facile, ça. Je rappelle toujours que si vous n'êtes pas satisfaite, c'est Léna qui a pris les photos, puis elle peut pas se défendre, elle fait juste écrire dans le chat. Donc. Ok, il reste ça, ça, puis ça. Moi, je pense que je suis bon. Trente secondes, les amis. J'espère que ça se passe bien à la maison, que vous n'avez pas trop de difficultés à faire des matchs. Et n'hésitez pas à nous donner vos cheminements de pensée. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce jeu-là. Pourquoi diable est-ce qu'on connecterait un robot à un fiacre? Le plus intéressant, c'est de savoir ce que vous en pensez. Oh, alors le 8, Myriam, c'est des clous ou des vis, en fait. Des clous sur une planche de bois. C'est fini pour notre timer, les amis. On va laisser un petit 10 secondes de plus pour Myriam. Ouais, pour Myriam. Alors, j'espère que ça se passe bien à la maison pour tout le monde, avec les nouvelles restrictions qui font que les commerces vont rester ouverts, fermés jusqu'au 4 mai. J'espère que ça ne fait pas trop de problèmes pour les gens qui ont des business et qui nous écoutent. Il est compliqué celui-là, Amélie, je suis bien d'accord avec toi. Alors, si c'est bon pour tout le monde, on y va avec Axel. Ben ouais, vas-y. Oui, donc, sans grande surprise, la première paire 1 et 9. Attends deux secondes, il y a quelqu'un qui demande le 5, c'est quoi? Le 5, c'est un taille-crayon. Excuse-moi. Oui, 1 et 9. Ensuite, j'ai fait la paire 4 et 7. Parce que les deux étaient bruns, c'était vraiment pas très recherché comme association. Ok, ouais, non. ensuite, j'ai fait 5 et 8, comme les deux sont en métal. Ouais. 5 et 8, oui! Ouais, on l'a tous. Puis pour le reste, ça va juste en se gâtant. Les trois dernières images qui me restaient, c'était pas fameux. Donc, j'ai fait l'association 3 et 6 parce que parler de trucs médicaux, c'est de la musique à mes oreilles, mais c'est vraiment pas... Je pense que c'est ça aussi, moi. Moi, je l'ai mis, puis c'est parce que c'est des instruments 3 et 6. Hein. Il y en a un qui a un instrument de musique, puis un autre a un instrument de travail. Oui, ça fait du sens. Vraiment mieux expliqué que moi. Puis ma pomme pourrie, c'est le 2, le maïs. Ouais. OK. Eh bien, moi, pour les matchs qui me manquent, j'ai associé le 2, donc le maïs et le 7, parce que c'est des affaires qui se mangent. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu le même. Yes. Sylvain aussi. Bon, ça fait 3 points. Excellent. Et le 3 et 4. Et là, ne me fustigez pas. mais j'ai associé le 3 et 4 parce que normalement, quand on n'est pas en une période de pandémie, le système de santé, il est bien, bien lent. Et voilà. Alors, c'était ça, ma connexion. Et ma pomme pourrie, c'est le 6. Tu déjà que c'est le 6 aussi? Non? Bon, tant pis. Laura, est-ce qu'il te reste quelque chose? Hein? Ben, il y a juste ma pomme pourrie qui n'a pas été nommée, qui est moi, le 4 d'escargot. Aussi. Moi aussi. Est-ce qu'on a fait la même chose, hein? Juste par curiosité? Je pense que oui. T'as pu, je vais aller voir ce que t'as mis. Ouais. 1, 9, 2, 7. On a la même chose, exactement. Pareil, bon. Ah oh, ben, pas la mouche! C'est bon. Les deux animateurs pensent pareil. Ben, c'est bon, on va faire plein de gros scores ensemble. N'hésitez pas dans le chat à dire quelle part vous avez fait et pourquoi. Ben oui.
C'est bon, Myriam. Elle pense que moi, 2 et 7, c'est des choses qui se mangent. Je suis bien d'accord avec toi. Ah, c'est ben, une bonne... Ben oui. Tu vois, elle a le mis 6 et 8 parce que les deux, il y a du bois et du métal sur l'image. C'est pas con, ça. Mmh. Pareil mmh. pour Guylaine. Ah ben, c'est parfait. Les amis, est-ce qu'on est prêts à passer sur la prochaine image? Ouais, moi, c'est bon. Mmh. D'accord, alors, okay. On va attendre bien. Quelques secondes pour que les gens nous rejoignent. Je viens de changer l'image. Donc, sur la prochaine image, il y a, ouf, alors, en un, on dirait un sorcier astronome, amateur, peut-être Nostradamus, qui sait. En deux, on a des pilules. En trois, c'est des petits poussins. En quatre, un petit chat. En 5, un casse-tête. Ça, là, à la maison, je veux que vous me disiez qui est-ce qui fait des casse-têtes en ce moment. Les étagères dans les magasins étaient vides avant que ça soit fermé. Ça m'intéresse. En 6, on a un jeu de cartes. En 7, des trombones de couleur. En 8, un baril. Et en 9, du papier collant. Donc, quand vous voulez... Ben, c'est toi qui as mis le temps. C'est okay. parti! Alors, sans surprise, c'est bien cute ça. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est Pâques bientôt. Si jamais il y a des gens qui pensaient faire des commandes de chocolat, je peux vous donner mon adresse en privé. Je suis désolée. Dérange pas le monde. Je connais une bonne boutique de chocolat d'ailleurs qui fait la livraison. Écrivez-moi, puis voilà, je vais vous dire c'est quoi mes chocolats préférés. Les gens essaient de réfléchir, Mina, là. Essaye pas, tu déconcentres tout le monde. Il reste 45 secondes, pas le temps de réfléchir. Pendant ce temps-là, escargot, aussi ça se mange. T'as raison, Guylaine. Oh, oui! 7 et 8, des maisons et des clous, parce que ça a bâti une maison. Excusez-moi. Mmh. Bon. Les gens à la maison, est-ce que vous êtes en train de dire, Nina, tu peux arrêter de parler, j'essaie de me concentrer, s'il vous plaît? J'ai bien de la misère avec le silence. Il reste 5 secondes, 1 seconde, et c'est fini! Ok. Yes, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous avez associé ensemble, les amis. Vas-y, Axel. Donc, j'ai associé les pilules avec les trombones, parce que c'est plein de choses de couleur. Yeah! Non, j'ai rien dit. Non, je me suis trompée. Non, je l'ai pas. C'est chiant, des faux espoirs comme ça, tu me vends du rêve, c'est vrai. OK, d'abord, je suis toute seule. Puis, sinon, j'ai fait l'association 3 et 4, les petits poussins avec le chaton, parce que... Ouais, ça oui. J'ai fait l'association 5 et 8, parce que pour moi, dans le 8, c'était clairement un baril de vin, puis c'est mon plan de la quarantaine, des casse-têtes, puis du vin. Donc, c'est l'association que j'ai fait, mais je pense pas que... C'est une bonne association, pareil. Ouais. Puis j'ai fait 6 et 9 parce que à l'heure écrite, les cartes, on est tout le temps en train de se livrer des boîtes puis tout ça, donc ça m'a fait penser à ça. Hey, c'est bon. Ouais. Et donc mon tout seul rejet, c'est Nostradamus. Pauvre Nostradamus, seul au monde, encore une fois. Mais c'est terrible. Avant d'y aller avec les miens, je vais juste dire, Myriam m'a posé une question. Elle demande si plusieurs personnes ont fait la même paire, est-ce que ça donne autant de points que de personnes ou seulement un point dans tous les cas? Alors, c'est un point par personne qui a la paire. Fait que, mettons, toutes nous, les quatre ici, on a la même paire. Donc, les quatre, on a quatre points. J'espère que c'était clair, Myriam. Donc, pour moi, ben, Axel, on avait presque rien en commun. Donc, j'associe 5 et 6. Parce que les jeux, évidemment. Ouais. Donc, je sais pas si c'est même... Laura, est-ce que non, t'as pas associé les jeux et les jeux? Aïe, 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 j'ai associé les trombones et le papier collant parce que c'est des fournitures de bureau. Est-ce que quelqu'un ici? Laura, excellent, excellent. Trombone, papier collant, ouais. Ah, Sylvain aussi, ça fait 3. Et j'ai associé Nostradamus et un baril parce que c'est deux vieilles affaires. Oui.
Yes! Et mon tout seul, c'est les pilules, parce que les pilules, okay, oui. C'est pas bon. Yes! Ben, c'est pas bon, c'est... C'est qu'il y avait... Ouais, je pense c'est bon pour ceux qui en ont besoin, excusez-moi. Je pense qu'on a tout pareil, Nina. Ouh, super! Donc, je te laisse continuer, Laura. Ouais, il me restait... Moi, j'ai mis Nostradamus avec les cartes, parce que, je sais pas, il y avait de l'air un peu du ballet, fait que c'est ça. J'ai mis les pilules avec les casse-pêtes parce que les deux, il y avait comme des grandes quantités. Puis ça me fait le baril comme tout seul. Mmh. Parce qu'on boit seul ces temps-ci. Puis à la maison, dites-nous si jamais vous avez les mêmes peurs que nous. Puis dites-nous donc si vous jouez avec d'autres personnes chez vous ou si vous êtes en solitaire avec nous. Ça m'intéresse. Super. Donc, si jamais il y a des gens qui nous rejoignent, tout ce que vous avez à faire, prenez-vous un bout de papier, un crayon, puis notez les images que vous trouvez qui matchent bien ensemble, en paire. Tout simplement. Donc, on passe à la prochaine? Magnifique! La suite! Donc, la prochaine image, les amis, on a ce que mon chien désire le plus au monde présentement, des gâteries pour chiens des eaux. En deux, on a de la pizza. En trois, hey, ça m'intéresse. Est-ce que vous faites livrer de la pizza le monde en ce moment? Parce que moi, j'ai juste envie de ça. Excusez-moi. En trois, on a des moutons en troupeau. En quatre, on a, c'est quoi? C'est le manche d'une épée. Ouais. En cinq, une petite ballerine, tout en blanc. En six, on a une clôture avec des petites fleurs devant. En sept, des jujubes. On dirait des gummy bears, mais je suis pas certaine. En huit, des gens qui jouent à un sport quelconque? Est-ce que c'est du football? Est-ce que c'est de la taille? Est-ce que j'ai une histoire pour ça, j'ai une histoire. En fait, c'est... Ah, vas-y, c'est vrai. C'est du Ultimate Frisbee, puis l'éditeur Christian Lemay, oui! Il joue à ça, puis en fait, c'est une photo de lui en train de jouer. Oh! On a un petit easter egg dans le jeu Keeper Gang. Ça, c'est le fun. Merci pour l'histoire, Sylvain. Et donc, on a Christian Lemay qui joue au Ultimate Frisbee. Et finalement, en neuf, on a des moules à muffins. Donc, à la maison, comme derrière l'écran en live, vous êtes prêts? Oui. Un, deux, trois, faites vos matchs! OK. OK. Ça. Hey, ça, c'est les pires matchs que j'aurais fait. J'ai une connexion saugrenue. Il va falloir que je défende ça. Ben, t'es chanceuse, tu passes en dernier. Moi, faut que je le dise en premier. C'est un peu. Bon, on le fera dans l'autre sens. Ah, super. Mylène a joué avec son copain à la maison. Super. Tu nous diras à la fin qui a gagné dans vous deux. Laura a pas l'air trop sûre de ses matchs. Je les avais beaucoup en question, maintenant. Il reste 20 secondes, les amis, à la maison. Les liens sont vraiment lointains. Ouais. Ah oui, alors, 10 secondes, êtes-vous prêts? C'est fini, posez vos crayons! Pas de briche! Quoique, prenez le temps de finir, pareil. OK. Donc, Oh, Axel! On a la même affaire, je pense. On va... Ben, je pense aussi, finalement. On a vraiment dit que c'était sur le gradu. Donc, oui. on va commencer par l'autre côté cette fois-ci. Tu sais, Laura, peux-tu nous dire ce que t'as fait comme... Oh, ouais, mes beaux matchs. OK. En premier, j'ai mis 2 et 7 ensemble. Parce que oui. La pizza des bonbons, ça fit. Hey, en passant, j'ai dit tantôt que vous pouviez m'envoyer des chocolats par la poste, mais vous pouvez aussi m'envoyer des jujubes. Je serais pas con. Après ça, j'ai mis 1 et 3 ensemble parce que c'est les deux pour les animaux. Ouais! Okay. Sylvain, t'es seule? Ouais.
Je me sens triste. 8 et 5 parce que c'est deux sports. Hey! Ouais! Puis, ben là, il me restait 4, 9 puis 6. Fait que j'ai mis 4 et 9 ensemble parce que les deux avaient du métal. Ah! Et non! Ah, on avait presque toutes les mêmes affaires! Ouais. Moi, de mon côté, j'ai associé la clôture et l'épée parce que les deux, elles ont un bout pointu. Ouais. Ouais, ben moi aussi, voilà. Yes, yes, donc ça nous fait. Sylvain, est-ce que tu as associé le 4 et le 6 ensemble? Non, le 4 et le Sylvain, 6. Sylvain, est-ce le monde? Non, je suis tout seul. Non. Et finalement, on a les moules à muffins en œuf, comme pomme pourrie. Ouais. Voilà. Ok, bon, ben. J'ai vraiment pas matché. Ah, c'est bon, on est déconnecté là-dessus. J'ai vraiment pas matché, moi, de mon côté. J'avais mis le 1 et le 7 ensemble parce que c'est des gâteries pour chiens et des bonbons pour humains. Ah, oh, c'est pas con. J'ai mis 2 et 9 ensemble parce que c'est des trucs qu'on met dans le four. Hein. Me semble c'est logique. Mm-hmm. Non, hein? Je pense trop loin, là. Comment ça, je pense trop loin? Tu mets ça dans le four, me semble que c'est pas compliqué. Tu ouvres le four, tu le mets. C'est... le 3 et le 6, je les ai mis ensemble parce que clôture, puis les petits moutons, élevage, blablabla, bla, bla, mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Puis le 4 était ma pomme pourrie parce que j'avais pas réussi à le mettre avec quoi que ce soit d'autre. Voilà. Ah ben c'est bon. C'est bon. Il y a Guylaine qui a associé la pizza et les moules à muffins parce que tu peux faire des pizzas dans les moules à muffins. C'est une très bonne idée, ça. Mm. En effet. Bon mélange. Et ça va dans le four. Et ça va dans le four, exactement. Même raisonnement que Sylvain avec les jujubes, Myriam, qui dit ça. Yes! Oui, effectivement, une fois que c'est expliqué, ça semble parfaitement logique. Ouais, c'est vous qui êtes bizarre, en fait. Moi, le monde sur le chat, ils comprennent. Ouais. Je pense que t'es plus connecté avec eux. La prochaine fois, on va faire une édition live avec les gens qui nous regardent. Ouais, c'est et ça. Et puis, peut-être que t'auras plus de points. 5 et 8, des athlètes. Ben yes. Oui, exactement. Oui. Donc, on passe à la prochaine. Hein? Yes! Est-ce qu'on est prêt à la maison? Je vous dis ce qu'il y a sur l'image. Alors, sur l'image numéro 1, quelque chose qui me revient de droit parce que je suis une reine, c'est une couronne. En 2, on a un petit cheval qui semble être en chocolat. En 3, on a quelque part où j'aimerais être, c'est à la plage, avec un parasol. En 4, un clavier de piano. En 5, des fraises. J'ai donc bien hâte à la saison des fraises. J'en peux plus. En 6, on a une cabine téléphonique de type londonienne. En 7, un couteau suisse. En 8, des pions d'échecs. Et, ben, des pions. Des pièces d'échecs. Et en 9, un petit toutou. Ourson. Alors, quand vous êtes prêts, les amis, à la maison et vous autres, c'est parti! Ok. Oh, voilà, excusez-moi, j'ai accroché l'image, puis je passe à la prochaine. Oups. Désolé. Oh non, Sylvain est en train de tricher, là. Ouais, je prépare mes prochains tours. Et c'est pas facile. Non? Ah, ça c'est bon ça! Ah non, ah zut! Ok, il me reste ça, ça pis ça. Là. Je suis pas convaincue par mes matchs. Non. Je sais pas pour vous. Il reste 30 secondes à la maison. Oh là là. Quinze secondes. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? C'est le temps de finir les matchs. Et c'est fini! Les jeux sont faits!
ils disent au casino. Yep. Rien de la récréation va se convertir en casino en ligne. C'est bon. On mettra, on mettra qui comme croupier, hein? Ben moi, évidemment. Ouais, c'est ça. Je suis incorruptible. Ouais. Surtout pas avec des jugés. Ouais, c'est ça. Ma fille qui a un pote qui a été du chocolat et Écoute, vous m'aurez par l'estomac, c'est certain. OK. Donc, tiens, Nina commence. All right. Alors, j'ai commencé par associer le petit cheval en chocolat et les fraises, parce que c'est deux choses qui sont vraiment bien, bien bonnes. Chocolat-fraise, c'est un accord de goût qui va de soi. Non, personne n'a accepté, a pensé comme moi. D'où c'est correct. Je pensais qu'il y avait l'air en chocolat. D'où qu'il est en chocolat? De quoi tu parles? Moi, je trouve qu'il a l'air d'être en chocolat. En tout cas, moi, j'ai dit qu'il était en chocolat quand je l'ai décrit. donc, j'ai associé le 4 et le 6, donc le piano et le téléphone. Parce que le téléphone, quand ça sonne, ça fait une espèce de musique. Vous voyez, non, personne, non, c'est bon. Non, OK, j'ai compris. J'ai associé la couronne avec les pièces d'échecs. Parce que couronne de reine, des reines, des rois, oui, ouais. Axel. Ouais. Excellent. Au moins, j'ai 2 points dans cette partie. Puis, j'ai associé la plage au toutou parce que sincèrement, il me restait la plage de toutou puis le canet suisse puis j'avais aucune idée de comment associer ça. Donc, 3 et 9, y a-tu quelqu'un, non? Non, t'es tout seul. Et ma pomme pourrie, c'est le canif. Personne non plus? Bon, ma pire prestation depuis le début de ces lives. Quelle déception. Pas sûr qu'il est en chocolat qu'a dit Julie. Ben, tabarnouche. Axel, ouais. J'ai pas compris ce que tu dis. Ah, excuse-moi. Donc, en fait, moi, j'ai associé le 2 et le 9. Donc, le cheval avec le toutou, ça me semblait des jouets pour enfants, voilà. Ouais. Ouais. Voilà. J'ai associé le 5 et le 6 parce que c'était très, très rouge pétant. Donc, ouais. Puis, j'ai là, c'est moins fameux, mais le 7 et le 3, parce que le 3, ça semble être une destination voyage, puis moi, en voyage, ben, j'ai un couteau de fusil sur moi, mais... C'est vrai! Ben oui! J'ai par les cheveux, là! Puis, ben, voyez, mon seul, c'est le 4, donc... Le piano, seul au monde. Ouais. Vous voyez, il y a Sylvie, au moins, dans le chat, qui dit qu'elle aussi, sa pomme pourrie, c'est le 7. Donc, Sylvie, on jouera ensemble la prochaine fois. Laura? Oui, je pense que j'ai les mêmes masques que toi, Sylvain. Vas-y. J'ai mis le 1 et le 6 ensemble. Couronne, reine, cabine téléphonique. Ah, ben oui. Exactement. Exactement la même raison. Bien compris. 2 et 9, sur le déjà dit pour les enfants. 5 et 7, il me reste fait ça, c'est 2 trucs rouges. Tu peux manger des fraises avec un canif. Ouais. Évidemment. Tout à fait. Tout le monde fait ça. Ouais. 8 et 4 ensemble. Jouer du piano, jouer aux échecs. Ouais. Noir et blanc, les deux. Ouais. Les pièces blanches et noires aussi. Maintenant, ouais. Que, ouais. Maintenant que c'est terminé, j'ai des éclairs de génie. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment ça. Il reste la plage, en fait, pourri. Et pareil, on a fait tout pareil. Ben, tabarnouche! Vous êtes en symbiose, les animateurs. Ouais. C'est, on a comme une pensée commune. C'est comme ça qu'on arrive à expliquer les jeux, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a Myriam qui dit qu'elle a associé le canif voyage et fraises et plages parce qu'elle associe ça à l'été. C'est effectivement une bonne association aussi. Ouais. Ouais. Qu'en dites-vous, les amis, si on s'en fait un dernier? OK. Parfait. Donc, on s'en va. Je vous invite à aller prendre la finale. La toute dernière. Quel âge spécial. Ouais. Oh wow! Oh wow! Oh! C'est parfait! Ah, je m'ennuie de travailler maintenant. Oui. Je pense que je vais pleurer. OK. Donc, ah, le roi et la fraise. OK. Donc, les amis, quand vous serez prêts... Ah non, je vais vous dire ce qu'on voit hein, à la maison. Donc, en un, on voit Hector, notre décoration de Noël, qui est souvent accrochée à la fenêtre du côté jeu. Pendant l'Halloween. De Noël ou en deux. Ouais, c'est ça, c'est dit, une décoration de Noël. Ouais. Ah oui, ben.
On lui met un petit chapeau puis ça marche. Oui, Halloween, excusez-moi. En deux, on a une œuvre de l'exposition présentement de Alain Astir. En trois, on a le gâteau au chocolat arc-en-ciel qu'Émilie Claude a fait il y a pas longtemps. En quatre, on a notre Meeple voyageur déco Noël. En 6, on a notre chocolat chaud, le fameux chocolat. Alors, quelle est la saveur présentement dans le chocolat? On le sait pas. Je soupçonne que c'est au caramel. Oui, c'est juste En 5, c'est Norbert, mon chien Mira, qui vient faire des tours à la récréation de temps en temps. En 7, on a le jeu Crazy Tower de Synapse, qui est un jeu d'équilibre. En 8, nos smoothies. Et en 9, Steve, notre animateur du vendredi, qui nous manque certainement à tous et à toutes avec son air fendant. OK! Donc, quand vous êtes prêts, les amis, 1, 2, 3, c'est parti! Là, à la maison, ça va peut-être être plus difficile de faire des associations avec ça, mais gâtez-vous, lâchez-vous lousse. Et je veux vos explications. Ensuite. Je suis très certaine. Ok. Oh, juste vous noter que le 5, c'est Norbert, et le 6, c'est le chocolat. Donc, ils ont été inversés en passant sur les cartes. Donc, ne vous trompez pas. Il reste 30 secondes à la maison. Effectivement. Je me suis trompée ici, moi, d'ailleurs. Ça va encore mieux. Cinq secondes à la maison. Cinq secondes. Et c'est fini! Les jeux sont faits. Posez vos crayons. Ça serait le fun, hein, la prochaine fois qu'on fait un live, que Steve soit avec nous. Mais je pense qu'il est trop... il est trop gêné pour venir en live. En tout cas, si jamais vous le connaissez personnellement, n'hésitez pas à lui écrire, à lui faire la pression pour qu'on le voit. Peer pressure. Moi, je vote pour la peer pressure. C'est toujours très sain à faire. Hein? Ouais. OK. Donc, vas-y, Sylvain. C'est moi qui commence, hein? C'est toi qui commence. OK. J'ai mis 1 et 2 parce que c'est des choses qu'on accroche sur les murs à la récréation. Mm-hmm. Une décoration, un tableau. Je dois avouer que j'ai beaucoup hésité à mettre la 2 avec la 9, étant donné que le personnage était comme poilu dans tous les sens, puis que Steve... Ah ouais, maintenant tu mis ça. C'est pas con, c'est j'ai pas été con. Très tenté, mais je l'ai pas fait. Ensuite, j'ai mis la 3 et la 9 ensemble. Oui, le gâteau arc-en-ciel et Steve. Mais là, oui! C'est un gâteau au chocolat. Pourquoi j'y ai pas pensé? Malheureusement, les gens à la maison, ça va être plus compliqué, mais Steve est un accro du chocolat. Ensuite, j'ai mis le 4 et le 5, donc le Meeple voyageur et Norbert ensemble, parce que c'est deux mascottes de la récré. Mm. J'ai mis le 6 et le 8 ensemble, donc c'est les deux boissons, café, smoothie, etc. Mm-hmm. Coudonc, Laurent, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on a pas fait les mêmes liens. Puis ma carte qui me restait, c'était la 7, le jeu de société. Super. Toi aussi, Axel? Non, pas du tout. Non, okay. Je ne levais pas la main. Je... Moi, je vais entendre Laura, là. Vas-y, Laura. OK. 1 et 4, parce que ben, les deux, c'est des décorations genre Halloween-Noël. Et oui, évidemment. Mm. Oui. 3 et 6 parce que c'est deux trucs au chocolat. Mm-hmm. Ah, bien passé. Comme Axel, 2 et 9.
parce qu'il a des cheveux. C'est tout. Et 7 et 8 parce que c'est deux trucs très colorés. Okay. Ben oui. Les mêmes couleurs. Puis ben, il me restait Norbert en 5. Moi aussi, c'est Norbert en 5. Wow. C'est pas un peu pourri, par exemple. Non, vraiment pas. Moi, il me reste 2 et 7, donc la toile et le jeu, parce que c'est deux œuvres d'art, avec des matériaux et des médiums différents. Les jeux, c'est de l'art. Pour moi, ça va de soi. Ouais. Moi, il me restait 3 et 7, parce que c'était coloré, puis ma pomme pourrie, c'était la décoration dans le lit. Ah, ben oui. Ben oui. C'est bon, n'hésitez pas à nous dire à la maison, vous voyez, là, Myriam, elle a dit que 5 et 9 parce que ce sont des êtres vivants. Et oui, Norbert et Steve sont effectivement les deux des êtres vivants aux dernières nouvelles. 2 et 8, donc la toile et les smoothies à cause des couleurs, les décorations ensemble, et 6 et... voyons, excusez-moi. 6 et 5 parce que c'est... Non. 6 et 7. Bref, en tout cas, je suis un peu perdue. 5 et 9, fidèle ami de l'homme. Voilà. C'est effectivement. C'est okay. Le fidèle ami de l'homme. OK, c'est excellent. Donc, j'aime ça. Pendant que Léna calcule nos scores, et on vous invite à faire la même chose de votre côté, à calculer combien de points vous avez fait tout au long de la diffusion, juste pour le plaisir. Puis sinon, est-ce qu'on a des petits trucs à annoncer, des petits trucs à dire, Léna? Ben oui, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur Facebook. On fait des lives deux fois par semaine, les mercredis à 16h30 et les dimanches à 14h30. N'hésitez pas à nous dire si jamais les horaires vous conviennent pas ou que vous voulez qu'on change l'heure juste pour vous. On peut voir ce qu'on peut faire. D'ailleurs, si vous avez des jeux que vous voulez qu'on fasse pour en live, écrivez-nous aussi, ça nous intéresse. À un moment donné, on finit par manquer d'idées, hein? C'est pas mal ça. Puis on essaie de réfléchir à des façons de garder la récréation vivante, là. Donc, suivez-nous sur Facebook, comme vous le faites déjà, pour avoir des nouvelles. Super. Donc, le score final qui a été calculé par Léna. Donc, en toute dernière position, Axel, 39. Plusieurs points quand même devant. En troisième, Laura avec 50. Bravo, bravo. Nina, 51. Juste devant. Et je caracole en tête avec 59. Moi, là, je veux vous rappeler la règle qu'on a donnée au début, c'était que Sylvain perd. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ah ben, qu'est-ce que je te dis, hein? Félicitations, Sylvain. Félicitations. Tu penses comme tout le monde. Ouais, c'est que j'arrive à lire dans vos esprits, c'est pour ça. Là. De toute façon, comme on l'a vu, à chaque fois que j'avais une paire que vous aviez pas, les gens sur le chat étaient d'accord avec moi. Donc, C'est vrai. Hey, 65 points pour Audrey. Mylène, c'est elle qui a gagné à la maison. Myriam a dit que tu l'as sauvé, Laura. Fait que une chance que tu es là. N'hésitez pas à nous dire si vous jouiez à jouer. Si vous jouiez, voyons, si vous avez joué avec d'autres personnes à la maison, si c'est vous qui avez gagné ou pas. Puis si vous avez eu du plaisir à jouer avec nous. Sylvain, toi, t'as-tu d'autres annonces à faire? Annonce particulière, ben, de mon côté, je vous invite à me suivre sur la page Ludologue. J'essaie de publier des articles et autres contenus en lien avec les jeux. Donc, j'ai différentes choses qui s'en viennent très rapidement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre aussi. Sinon, ben, je vais en profiter pour remercier nos deux joueuses qui se sont ajoutées pour aujourd'hui. Merci. Ouais. Merci, filles. Merci de nous avoir invitées. Oui, yes. J'espère qu'on va vous revoir puis, dans une prochaine partie en direct, que ça ne vous a pas déçu, même si vous êtes arrivé derrière Nina et moi. Alors, moi, j'ai perdu, je ne veux plus jamais jouer avec vous. Super. Ouais, dans ce cas-là, sur ce, je vous remercie tous. Je remercie les gens qui sont dans le chat de nous avoir suivis, d'avoir joué avec nous. Puis on se donne donc rendez-vous mercredi prochain à 16h30, toujours sur la page de la récréation. Salut! Yes, peut-être avec d'autres invités surprises, qui sait?
Bye tout le monde. Bye.